Papa ici, je comprends effectivement qui ça fait que nèg pas jamais te vle Jovenel Moïse mettez Agence internationale d'intelligence sous pied. Effectivement, papa ici, dans le jour qui a venu là, depuis ces oligarques corrompus qui a financé le mouvement kidnapping, crasé, brisé dans la coupe pays d'Haïti, eh bien, vous pouvez prendre code. Papa ici, pour ça, habiter. De jour en jour, n'a pas le président Jovenel Moïse raison. De jour en jour, Jovenel Moïse a bien raison. Sous criminel assassin, et de jour en jour, chaque haïtien qui pas conscient, qui pas comprendre, bataille que le président Jovenel Moïse a fait, qu'on y a vu comprendre, peuple haïtien. Avec autant de facilité, nous trouvons président, comme si pour nous ne pas comprendre, et puis, ya, monsieur. Ariel Henry prend en trois rois, Ariel Henry entravé, coalition d'assassins, groupe criminel là, dit Ariel Henry, campez là. Depuis peuple à grand goût, il a prêté la caillou. Mais malheureusement, nous avons pris un tramp. Jimmy Cherizé barbecue avec Genève en famille alliée, vini comme backup. M'bral ban nouvelle. Cinq nèg qui nan gaz yo, pas plus. Cinq moun qui nan gaz yo, qui t'a fait 42 millions de dollars américains nan gaz là. Effectivement, yo senti que bateau Ariel lan pas trop loin pour le couler. Et bien, yo dégage yo là, yo dit que yo pral doubler prix gaz là pour capable doubler 42 millions de dollars américains pour le passer à 84 millions. Effectivement, Ariel Henry monte aux États-Unis d'Amérique, là prend l'autre de mes patrons. Patron nan gaz, qu'est-ce qui bateau Ariel Henry? Effectivement, tout le monde connaît, c'est Michel Joseph Martelly. Et bien, Ariel Henry, organisé avec groupe criminel qui n'a pouvoir là, groupe reste avec lui, il a monté gaz là. Population prend la rue, il monte barricade, il manifeste, il dit qu'il n'a pas pris un coup ça. Ariel Henry, avec toute équipe, li, dit comme ça que depuis le peuple a commencé grand goût, depuis qu'il n'a pas de manger, pas de l'eau, il a pris la caillou quand même. Mais il n'a pas pris un coup, pas comprendre. Coup ça, c'est coup de Jimmy Cherizier, de Genève en famille alliée, et que je vais expliquer nous là. Coup ça, Dieu en pile, monsieur. Je dis à nous 11 octobre 2022, ou sous plateforme Paula, qui c'est plateforme YouTube, mais Foubetoa. M'a dit nous bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'est, ou attendez nous et ou regardez nous. Encore une fois, Jacques nous connaît, c'est toujours un plaisir pour moi pour que nous sommes avec nous. Vous n'avez plus de responsabilité automatiquement monter dans la vidéo ça, et mais justement, c'est prendre ou like tout d'abord. Like émission 1 et puis partagez avec deux trois grands amis qui sur contact WhatsApp. Bonjour, bonsoir tout le monde. Jodi a plateforme YouTube Foubeto campé en face des millions et des millions de dollars américains qu'un groupe criminel assassin qui pas fout haïtien campé sous don peuple y a soucé y a mangé y a fini avec population y a fait millions sous peuple là et puis moun pa ka gade yon zye et puis ay m'ap salye ti pa pou bel carnaval ça Jovenel Moïse bab jambli. Haïtien, effectivement, hier qui était 10 octobre 2022, manifestation, mobilisation, tribo pas bonne la coupe d'Haïti. Non, au cap haïtien, nous avons l'impression que la police nationale d'Haïti est en véritable macoute contre la population civile. Là. Policiers, attention. N'importe où, c'est même coup de bois. N'importe où, c'est un groupe criminel qui est en la police. Et bien justement, c'est au même cap traverser barricade pour traverser les oligarques corrompus pour que rentre la caille dans Petionville. Mais quand on a tête pour le passé, yo bouche barricade là. Prenez soin bien entendu, messieurs. Nous, si nous m'écoutons, nous comptons ça peut placer pour nous. Je ne sais pas pourquoi sa police est vicieux comme ça. Je ne sais pas pourquoi sa police est un groupe policier cocorate comme ça. Et ça fait que moi, avec autant de facilité, nous te livrer président Jovenel Moïse pour 2 000 $ américains, oui. Nous 40 policiers, nous pour 80 000 $ américains, nous livrons président, bonne salope, bonne sangouin. Jodi a nous exactement 11 octobre 2022. Peuple haïtien, dossier abdominé actualité a. Nan moment m'a pas la vola, équipe Ariel Henry a trouvé devant fait accompli.
Et effectivement, peuple haïtien, il y a un complot qui a mené dans ce pays. Qui s'allie? C'est un groupe de monde qui te met tête ensemble, qui est dans la politique, qui investit tout le temps, qui investit tout le temps, toute stratégie, dans une entreprise qui te relève assassinat président Jovenel Moïse. Aïe, 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 monsieur. Ouais, je vais te la gâter. Je vais te la gâter. Red, red, mettre là. Je vais te mentir, c'est gros causé. Monsieur Jovenel Moïse, pas un petit petit misagado, monsieur. Nous tuer président, nous maltraiter président, nous assassiner président, et puis nous dépenser ça d'apprêter comme si c'est une blague liée, comme si c'est un détail lié. Et puis, y a, monsieur. Et mais tout politicien qui te met tête ensemble pour te définir un seul point, pour te donner une solution avec un seul problème soi-disant, il te dit qu'il a dérangé. Le problème, ça te relé Jovenel Moïse. Et mais tout nek chita sous table là, il définit une stratégie et finalement, il a une grande formule. Formule ça qui formule lié, c'est assassinat président pays. Effectivement, n'a pas arrivé à un objectif qui s'est assassiné président. Dans la nuit qui était 6 pour arriver 7 juillet 2021, n'a pas arrivé tout le président. Mais monsieur, batché un temps de mettre lui. Mais c'est qu'on y a nous prenons zip. Complot qui a mené que c'est sous le pays, sous la nation. L'international là. Gon inquiétude. Mais quelque part, il y a plusieurs groupes blancs qui travaillent pour plusieurs groupes politiques corrompus dans la Coupe d'Haïti. Parce que chaque groupe politique, il y a un groupe secteur privé oligarque corrompu derrière eux. Groupe oligarque corrompu, ça, il y a un pile de café là pour eux dans l'international. Dans la capitale politique du monde, là, qui c'est Washington DC. Gros bagay, mais c'est l'état facile en pile pour nous trouver un président. Nous t'a pensé, pas t'a gagné une réponse. Aïe, 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 monsieur. Réponse là pour quoi proportionnelle avec qualité crime que nous commettons là. Mais tant pour nous, parce que Jo fait la tombe dans de l'eau, c'est pas jamais Jo sale pourri. Nous toujours dit ça, bat chien, tant de mettre li. Jovenel Moïse, pas jamais un petit misangado. Comment tu peux comprendre, Haïtien Fremsem, pour un groupe nèg organisé dans un pays, insécurité après ravager la population, pas de travail, pas gagné dans main. Tout le monde dans la classe moyenne qui a gagné dans la main, industrie kidnapping nous prend la main. Nous faisons majorité de jeunes Haïtiens qui quittent le pays. 70% de jeunes Haïtiens. Capable de mettre un visa $300, $400 américains, $500 américains, visa dominicain, ouais, qui grave, oui. Yo traverse l'autre bon frontière. Sans que yo pas contre ça, va venir régler. Sauf que c'est sauver pour yo qui intéresse yo. Sauver la vie yo, pas n'importe qui moyen. Pour jodi a, monsieur, pour que bon peuple comme ça, nous pas l'autre ça pour nous faire. Parce que nous sentons que, jan population ou nous là, nous pas de moyen pour nous élu à travers les élections. Nous décidons, monsieur, pour nous mettre canson dans taille nous. C'est gaz pour nous monter sous deux peuples là, pour nous faire l'argent direct dans quelques mois. Parce que nous ne pouvons pas le bateau après le chavirer. Jovenel Moïse, mon cher, nous ne pouvons pas oublier. Imaginez-vous, Jovenel Moïse te qui contrôle la situation. Il y a quel Dieu en pile. Pour un groupe moun, ou pas mettre même 5 gouttes de yo. Ou pas mettre un dollar de yon, 5 copes péniche. Ou t'en de oui, te gen appel d'offre qui te fait, c'est eux même qui gen yel. Ou t'en de gen 5 compagnies, 5 compagnies ça nan gaz. Nek sa yon, c'est eux gen appel d'offre lan. Oh oui, l'État ba yon l'argent pour yon acheter gaz là. Le yon acheter gaz là, yon achete la un prix. Yon ba l'État menti, yon dit l'achete la un prix qui cher. Là, on vient à gaz dans le pays. Depuis la gang, on fait 42 millions de dollars américains parce que Haïti, pas j'ai oublié ça, nous consommons 42 millions de gallons de gaz chaque mois. On fait 42 millions de dollars américains
chaque mois sous de yon peuple qui pas ka manger, qui pas ka boire, qui pas gen travail. Les malades yon pas gout centre de santé pour y aller, pas gout boulot hôpital dans pays ya. Pas gen l'école. Pas gen ti l'école professionnelle. Et puis qu'on groupe nèg qui va mettre 5 gouttes d'eau qui juste kage sous d'eau qui monte soi-disant compagnie yo. Et puis chaque mois avec l'argent l'état pour nèg faire 42 millions de dollars américains sous d'eau un peuple qui pas qu'à manger, qui pas qu'à boire et puis pour ça t'arrêter comme ça monsieur. Et puis il y a pas de monde du tout monsieur. Jovenel Moïse vient comme président. Il dit non, ça est inacceptable. Nous pas qu'à quitter ça, continuer. Nous mettons son attaque, nous notre président. Et nous passons le peuple à tablier. Monsieur, wow. Mais l'étape facile en pile, monsieur. L'étape facile en pile. Est-ce que vous comprenez? Josia, définitivement, ou qu'a dit sauve-le de barbecue Jimmy Cherizier. Mais moi-même, et Foberto, m'a connu et m'a toujours dit, Jimmy Cherizier barbecue, c'est un ancien policier qui passait 14 années dans la police nationale d'Haïti. Michel Angédéon, comme un DG la police, qui t'a fait politique avec classe politique pour y sentir. Li aide Pierre Espérance avec Regina Boulos, you la tortue. Fin avec carrière barbecue dans la police là. Et détruit jeune garçon. Fait toute l'international Abdil comme gang. Mais définitivement, blanc vin ouè. Effectivement, c'est crime que nous te fait monsieur, c'est abus que nous te fait monsieur et au gonjan que ouè barbecue. Papa Isien, nous pral konnen ki choix. Jimmy Cherizier, barbecue bloqué 84 millions de dollars américains dans le dossier gaz dans la coupe d'Haïti. Barbecue campé red red garçon, population campé derrière nous. Je dis à nèg yo gon grand problème. Problème nèg yo, c'est exactement Jimmy Cherizier alias barbecue. Qui s'est passé? Groupe nèg ki nan gaz yo, yo font calcul. D'ailleurs, c'est eux même qui toujours qu'on a mettre moun nan la oui, financer mobilisation crasé brisé. Mais nous pral prendre code oui parce que garde non, résolution 2645 là, la prendre en application quand même. Parce que là aussi avec la Chine a fait pression sur les États-Unis d'Amérique. Red branché. Écoutez bien, oui. Nèg yo organisé là, nèg yo monte gaz là. Nan monte gaz là, gen un pile qui pral faire cob là-dedans. Parce que qui s'est passé, gon l'argent, yo te prévoit pour ta ba Dimitri Vob, yo wè ke yo pa ka ba Dimitri Vob comme ça. Population campé, met tout en campé, diaspora est en campé, média en ligne yo campé. Yo dit kou ça pa passé. Si volant sans salsa, si vagabond ti sangouin ça, yo le Dimitri Vob la, ou pap jeune l'argent sa pour jouer le casino Las Vegas gasom. Kob wap investi nan krasé brisé nan pays ya et me faire entreprise krasé brisé a bon l'argent là. Et me sak passé, nèg yo di pour nous gérer Dimitri Vob, gon calcul ki pou fèt. Calcul nan pa lot. C'est organiser nous pour nous doubler prix gaz là. Nan doubler prix gaz là. N'a quitté qu'a fait 42 millions de dollars américains parmi eux, matéli là dans le tout. N'a passé yon 20 millions de dollars américains sous 42 millions, fait 62 millions. Après 62 millions, après te 22 millions de dollars américains. N'a 22 millions de dollars américains, ça, n'a géré Dimitri Vob la donne et puis n'a géré tête nous-mêmes comme politiciens, comme groupe nèg qui au pouvoir. Mais comment complot a monté sous le peuple là? Mais comment complot a monté sous le peuple là? N'a de ces cas à gon groupe nèg qui n'a oligarché pour y sortir, qui a investi dans l'entreprise qui est l'assassinat de Jovenel Moïse, qui dit, faut qu'Ariel Henry campe, red des décisions, pour ne pas tourner sous lit. Parce que même si le peuple a manifesté,
quelque part ou pas le grand groupe devant, il a prendre la caillou. Mais Nagyo vient dit monsieur, quand côté nous entraver. Effectivement, population vient commencer faibli parce que moun yo pas gagne de l'eau, yo pas gagne manger, pas j'aime te gagner déjà. Quelque part moun yo commencer rentrer la caillou. Et puis gouvernement, lagon escadon la mort a levé barricade dans la rue. Fils des jeunes garçons, fils des jeunes femmes sous Delma. Et bien Nagyo voyez au piba. Yo tande barbecue font déclaration. Barbecue dit Gaza, tout le temps, il n'y a pas tourné sous décision. Hein? Gaza n'a pas sauté dans le terminal Varouya. Et pour aller plus loin, il exige départ Ariel Henry. Et il plus loin, il demande de craser le système non, définitivement. Barbecue, mon cher, m'a bon menti, belle action, qu'est-ce que c'est là? L'État criminel, l'État assassin, l'État gang. Effectivement, l'État prend en otage par des kidnappers, par des assassins, par des grands gangs. C'est grave, oui. Pour nos pays, nous avons la cité. Alors, nous avons impliqué jusqu'au cou dans l'assassinat du président. Je dis à la diriger les grands groupes qui campent des idoles. Je dis à peuple haïtien, ça nous le connaît. Ariel Henry en difficulté. Qui ça fait ça? Ariel Henry vient trouver une situation qui est extrêmement difficile. Monsieur envie négocier avec même groupe classe politique pour y sentir là pour t'avoir un parti pouvoir pour t'avoir une la paix. Mais n'a que dit Ariel Henry ou qu'elle est fou. Nous sommes tous les Jovenel Moïse souvenir mettre pouvoir capable gain de nouvelles têtes qui rentrer dans compromis politique qui va le faire là. Et puis automatiquement rentrer, il pas qu'à révoquer non parce que son accord politique a mettre là oui. Automatiquement, accord politique mette là. Pas bien de cap qui a révoqué mon nom. C'est ça le peuple qui peut comme si nous chambardons nous seulement, oui. Mais là, ça, l'autre a gon moun. Comme si, blanc a mandé pour les jovenelistes ou du moins les partisans de Jovenel Moïse, t'a impliqué dans le gouvernement ça. Peuple ici, t'as d'accord. Compromis t'a fait effectivement. Et puis nous, t'as, ouais, gouvernement t'a monté. Avec des moun qui ont tête yo, tant place sous épaule yo, qui ont caractère, tant que Claude Joseph, ou ap jam ka supporte, et c'est lui qui a piché chef dans le gouvernement. Nèg yo di Ariel Henry, ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est campé. C'est nous qui avons comme là, c'est nous qui financer manifestation casse brisée, c'est nous qui alimenter gang dans le pays. N'a alimenté tout gang dans le pays pour nous rendre le pays invivable. Et puis pour blanc, effectivement, ouais, nécessité qui gagne. Pour que vous voyez une force militaire venir en bourrade dans le pays d'Haïti. Mais c'est là que vous prenez un piège là. Conseil de sécurité des Nations Unies, tu votes une résolution qui est le 2645. À travers la résolution, ça, ça n'a pas de résolution. Qui s'est passé? C'est depuis ces nègres qui ont alimenté gang, qui ont financé criminels, financé kidnapping, financé mouvement crazy dans le pays. Résolution ça bail Conseil de sécurité des Nations Unies doit pour que on frise à 40 tout pour que on saisit bien ou, et même rivé arrêter ou foutu dans prison et mais là n'yo vinn mettre craser bouteille là kounya zeglen vinn difficile n'yo pas ka ramasser Jovenel Moïse nous pas jambli yo être là pas facile parce que yo toujours dit grand monde dans pays me toujours dit ça mené couleuvre dans l'école c'est yon fait chita c'est deux et mais effectivement jodia nous dans phase pour nèg yo ta fait couleuvre la chita aïe 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 et mais fait couleuvre la chita non force chita c'est casse ou casser elle depuis le casser va couleuvre encore. Mais qui côté me prend en zip là. Et mais ça qui passe, tout nèg qui campé dans doua Ariel Henry, c'est des kidnappeurs. C'est des drug dealers. C'est des assassins de Jovenel Moïse. Qui campé dans doua président, premier ministre, ou du moins soit Henry.
Et puis, nèg te pense, comme si c'est un jouet qui t'a pied, qui t'a facile pour finir trouver un président, pour nous faire l'argent sous nos peuple, pour nous faire un groupe moun, ou du moins quelques grands haïtiens qui t'a campé pour continuer à mener la bataille président de la peuple haïtien, hier, moi prends temps, moi prends sam pour me tendre, un jeune garçon qui relè Osmond Jean. Moi dis, l'important pour me tendre nous, alors pour nous tendre l'ensemble avec nous, parce qu'il faut bientôt pour le commenter tout ça qui dit yo ensemble avec nous. M'a prêté attention non. Et m'a demandé nous, bon petit focus là pendant quelques minutes. À travers l'émission que nous faisons chaque 6h PM de l'après-midi sur plateforme YouTube, ça que vous attendez nous là, qui c'est plateforme YouTube Info Bertoa, nous te faut attendre yon parti dans ça. Mais ça qui est plus important, ou pral tande là. N'ap tande l'ensemble avec et puis n'ap pral commenter, analyser ensemble avec vous. Et m'ap dit, bravo Osmond Jean, m'salue vous courage. En entende, déclaration ça, peuple haïtien, et puis n'ap comprenne. Osmond Jean, à l'appareil, prête un petit focus là, prête un petit attention, pendant que vous like, pendant que vous partagez, pas oublier, je dis à nous exactement 11 octobre 2022, ou sous plateforme Poland, qui c'est plateforme YouTube, InfoBetoa. Partagez, commentez, like, abonnez, sous pourquoi abonner. Important, Osmond Jean. Qui ça mène nous là, je dis? Oui. C'est dans sentiment, n'a pas fait politique avec romance. N'a pas fait politique dans garder feuilleton. Nous pas prendre responsabilité nous. Nous gagne des monde qui fait politique, c'est des monde qui pas aucune vision, aucun sens de l'histoire, qui pas sorti de nulle part, qui vivent dans tête pays a, et jodi a qui mène nous côté nous a. Effectivement. Pour caler, pour caler. En 1991, yo ba nous président Jean-Bertrand Aristide prend un coup d'État. Mais avant Aristide, te gen, professeur Magnestie François Maniga qui te prend un coup d'État. Vous voyez le Venezuela. L'armée vénézuélienne dit professeur Maniga élu démocratiquement, de ce fait, il a mené démocratie tournée. Professeur Maniga qui te gen le sens de l'histoire. Qui te gen dimension d'homme d'État, qui te kon qui ça veut dire occupation, li refuse, li dit c'est pas lui qui sauve Haïti, a de l'autre. Maniga refuse l'occupation, l'intervention, l'armée Venezuela. Jean-Bertrand Aristide vient prendre un coup d'État en 91. Ça de bien, oui. Le fait que Jean-Bertrand Aristide. À quoi avec Pouge? Parce que ce n'est pas parce qu'on parle français au père. Parce que très souvent, il y a des gens qui prennent prêt pour un paquet de bagailles. Toi, quand tu es allé prêt, c'est pour la misère. C'est parce que maman et papa ne peuvent pas payer l'école pour eux, ne peuvent pas payer l'université. Et puis, ils rentrent en paix parce qu'ils disent à travers don sinistre, ils ont bralé. Mais ce n'est pas la dimension que vous avez. Jean-Bertrand ici, qui te refusé tant de Serge Beaulieu. En pile génération, car il ne va pas entendre parler de Serge Beaulieu. Serge Beaulieu dit, pays, fait tout ça nous capables pour nous empêcher les Nations Unies de rentrer dans la cause de nous, dans la fête nous. Il dit, Aristide, pas quitter blanc, fouet bouche dans la fête nous, parce que si nous quitter blanc, fouet bouche dans la fête nous, nous ne pouvons pas sortir. Aristide, pas de dimension, ni culture politique, ni capacité pour le comprendre. Ce n'est pas que parler français n'est pas forme d'État, mais qu'on dimension historique qu'on doit connaître, il faut qu'on garde côté pays ça sorti. Haïti, son pays, côté qui prend naissance par les âmes, par les âmes, avec les âmes, qui baille tête li non dimension qu'elle gagne, hein, qui arrive à mettre en deux routes, ça aurait l'esclavage. Eh bien, qui est-ce qui t'a concocté, qui t'a coordonné l'esclavage? C'était blanc. Ça veut dire, blanc n'a jamais intérêt pour quitter Haïti, avancer dans la dimension que Haïti prale. Et c'est ça que fait, ou après des déclarations Abraham Nicole, que personne n'a pas pré essayé, elle dit, l'a divisé, vani, pied, nega, sosi, pour qu'il nous dans la dimension, pour capable empêcher que nous mettions ensemble. Et puis voilà que,
Jean-Bertrand Aristide pour l'accepter pour. Alors que on monde pas symboliser la démocratie. C'est institution qui symbolise, c'est ensemble des mises en place institutions mettent en place et bien qui pral permettre que vous senti ou nous ambiance démocratique. Mais c'est pas un monde. Blandi Aristide c'est où démocratie a m'a mené tourner. Mais ça coûte 90 000 morts. Général américain qui réunit avec Aristide dans Pentagone. Il dit qu'on s'est passé tonton. M'a mené tourner. Maintenant occupation, intervention a 90 000 monde qui mourent. Aristide si rien d'accord. La République dominicaine, Aristide mandé pour mettre un bago sur le pays. Là, Aristide rend compte que Balaguer a voué gaz dans le pays. Il fait Clinton rele Balaguer. Mandé Balaguer, après avoir voué gaz pour nous jouer gaz pour y servir. Balaguer dit, si nous ne sommes pas arrivés juste là. Mais si nous mettons un bago, mais faut qu'il vive, faut qu'on y ait un gaz. Aristide fait couper gaz, Saint-Domingue, pour mener nous là. Et puis, 23 000 hommes, 22 000 hommes débarqués dans le pays. L'el débarque dans le pays, qui ça le fait? Il n'y a pas de côté démocratie, c'est pas vrai. Il est venu avec moyen ou avec là, je dis. Ça, on a récolté là. C'est ça, nous t'estimons. Parce que nous ne pouvons pas récolter dans le même jour à des jours. Effectivement. Eh bien, l'el demandé président Aristide tourné, nous songe, Léopold Jean-Dominique fait une interview avec Jean-Bertrand Aristide. Comprendre, messieurs, dames, pour l'histoire, pour la vérité. L'imande Jean-Bertrand Aristide, qui plus grosse satisfaction après retour en 94? Aristide dit, plus grosse satisfaction, m'a crasé la médaille. Eh bien, c'est le résultat crasé la médaille qui mène nous là, je dis. Ok? Qui mène nous là? Parce que Blanc vient jouer un espace pour rentrer, et bien, il tout mettait une série de poches de gangs, et je poche de gang ça qui pral grandir, qui pral grandir, qui pral prendre dimension, qui pral prendre plein, qui pral mener nous côté nous hier jodi a. Maintenant, gen moun qui dit des gang passi par là, nous pas ka sorti côté nous hier. Mais m'a dit nous on bagay. Moun k'ap vini yo pa vini retirer nous dans ça côté nous hier. Son projet lié. Ouais question occupation. Document saxien. M'vle que pour l'histoire, pour la vérité, pour nous regarder document, dernière déclaration secrétaire général OEA. Dans le dernier paragraphe là, quand il déclarait Haïti fait pour une zone industrielle. Et quand une zone sont zone industrielle, nous ne pas habiter là-dedans. Plus gros projet, c'est Clinton qui gagne pour Haïti. Et Clinton, c'est lui qui baptisait petit, premier petit Jean-Bertrand Aristide, Christine Aristide. Clinton a un projet de 50 milliards de dollars pour réduire nous à la plus simple expression. Mais pour qui ça? Ce n'est pas pour l'autre bagaille. C'est pour être capable d'exploiter le pétrole nous gagnons sous le sol. Parce qu'ils ont une difficulté. Pas oublier, Biden sorti Moyen-Orient, là en arabe, là de tous côtés, il a cherché le pétrole. Il fait face carré, il a fait face carré avec une puissance, un hégémonie cap monté qui c'est là aussi. Eh bien, yo di, avant yo rive côté au pralier, il faut que yo jouen des alternatives. Et alternatives américaines besoin, li sel en Haïti gen. Sel en Haïti gen. Parce que Haïti go réserve pétrole, qui nan men, que Claude Prepti gagne dans ministère des mines, 300 ans d'exploitation, que les États-Unis déclaré ses réserves li. Si il déclaré ses réserves li, il a fait tout ça au capable pour nous relever vivre. Eh bien, combat qu'a mené aujourd'hui. Comment nous comprendre? Les États-Unis utilisent le Canada parce que quel que soit sortant de le Canada annoncé, c'est une porte-parole des États-Unis d'Amérique. Le Canada pas un pays pas en puissance. Le Canada c'est comme si on titelle des États-Unis. C'est le porte-parole, n'importe ça le besoin le fait, c'est la caille. Eh bien, dans vendredi soir, vous avez une rencontre qui fait dans l'ambassade Canada. Ariel Henry a fait une rencontre. Tout document Ariel Henry fait préparé ici. Même moniteur qui rédige, c'est en l'ambassade Canada, de 8h à minuit, réunion faite. Pour contraindre Ariel Henry, préparer papier pour montrer que nous en difficulté, force blanc seulement pour venir sauver nous parce que nous pas sortir dans sa nuit. Mais pas oublier,
corps groupe qui était réuni à l'ambassade Canada, c'est le Canada qui montait corps groupe. Pas aucun pays dans zone là qui a les syndicats ni club des ambassadeurs. Yo moutel avec objectif pour yo capable aller côté pour aller avec nous. Maintenant, ça pour nous comprendre aujourd'hui pour finir. Faut que nous dégager dans mitan nous au niveau national yo unité de tactique de bataille. Faut nous faire appel avec tous les anciens militaires et militaires. Important. Important. Ouais, sous point ça ma promotion. Hier, ancien sénateur et alors sénateur Guy Philippe qui pas être rentré en fonction par rapport avec tout ça que nous connaissons. Pendant que Guy Philippe dans prison aux États-Unis d'Amérique, Guy Philippe font déclaration. Guy Philippe dit ça qui gagne là, il capable traiter. Mais pour le traiter, l'a traité avec des hommes et des femmes qui ont une conviction, qui ont un caractère. Et pour nous parler plus loin, comme on a fait notre temps de déclaration, sénateur Guy Philippe, avant de continuer avec Rosemont Jean qui fait point sur le dossier militaire là, à nous faut-il entendre ça ensemble avec nous, sénateur Guy Philippe. Intéressant. Ingénieur Aoul, le problème de la police est plus difficile et plus grave que Jean Mounio pense. Mm-hmm. Premièrement, police nous gagnons son police civile liée. Mais assurer qu'on pays que vous crasez l'armée, vous mettez sous pied en police civile. Et pendant que vous mettez sous pied en police civile, chaque green policier pense son beau homme, son commandant lié, vous ne pas respecter supérieur hiérarchique. Ça veut dire peut-être que dans le même commissariat, policier qui est en bon, vous respectez. Mais policier qui est commissariat Delma, même s'il est un agent 1, il y a un commissaire qui sort dans une zone, par exemple, Pestel ou bien Corail, pas penser que il y a tout respect ça tant que et non question militaire photo et nèg la supérieur c'est supérieur non d'ailleurs yo pas mettre nèg yo pas obliger nèg yo respecter ni saluer supérieur hiérarchique même les livres la police la dit faut saluer lui mais toutes salutations sont marques de respect et de considération yon y tout ça mais nèg yo c'est si vous voulez ou faire. Donc, ou pas vraiment gon bagay un commandant qui a vint imposer si sorti dans l'autre commissariat pour venir imposer sur toute police nationale pour son bagay. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème. Premier ministre Ariel Henry protégé par une équipe nèg bien entraînée. Militaire. Ou a regardé le gain pile militaire actuel avec, le gain pile ancien militaire avec, le gain pile nèg qui pas militaire avec. Monsieur assuré li blindé sécurité. Combien d'unités vous pensez que vous avez attaqué la sécurité, Premier ministre? Peut-être par les nationales. Et là encore, par contre, qui est-ce qui t'a gagné? Deuxième, c'est la unité spécialisée de la police, soit team, DCPJ avec toutes composantes liées. Police nationale, là, c'est blanc contrôlé. Ou pas comme commissaire et DCPJ, ou pas comme directeur police nationale, pour ambassade américaine, c'est pas l'IGDI, c'est ça, c'est un exalé. Or, gouvernement, c'est exactement ça, ambassade Yovlea, c'est ça l'a fait. C'était toujours projet. Ariel Henry, c'est un rare monde qui vient dans tête pays qui respecte tout engagement avec monde qui bat le pouvoir. Abla yo. Yo bat le pouvoir pour le faire sort et la faire là. Yo bat le pouvoir pour mener pays à côté et la prendre là. Yo bat le pouvoir pour arriver côté de rivière là. Encore une fois, moi, je m'a dit, je me répète, pas aucun problème, gang en Haïti, pas de résoudre. Et je dis encore qu'il n'y a pas de résoudre, si vous voulez résoudre. Il n'y a pas de gens qui veulent résoudre, il n'y a pas de résoudre, parce que c'est là que vous voulez nous vivre. Expliquez-nous. Donc, Ariel Henry, fais mandat, j'ai un débat, fais là, il fait. Le monde qui débat le pouvoir, te dit, mais ça pour le faire, il exécute à la lettre. Il crase, il met en situation qu'on est désespéré. D'ailleurs, après, il a assassiné le président Jovenel. Trois jours après l'assassinat, il était déjà mandé pour une intervention faite dans le pays. Ça a beaucoup fait. Ariel Henry monté. Il a fait la vie plus mal, 100 fois plus mal. Quand il y a même ou même qui victime, il a levé mon lait pour demander secours. Qu'il est pour blanc rentrer. Pas mal de temps, il a dit haïtien, vie blanc rentrer là. Parce que il n'y a pas qu'à encore. Il a bout. Mais justement, c'est ça qu'on fait. Il a crasé toute résistance, non. Vous faites une pensée de backup, vous faites une pensée de ces blancs seulement que tu es capable de mettre ton frein. Et pour ta solution, très simple, très facile. Et Haïti, tu es capable de résoudre le problème, non? Mais vous ne pouvez pas faire.
C'est dommage. Pays a manqué moun. C'est dommage. L'organe bagay sa privé là, on m'a dit. Côté vrai haïtien, côté haïtien, côté voyé, ou pas besoin de la police, ou pas besoin de l'armée. Pour ta faire ça, pour faire, non? N'importe citoyen là, te vle. Peuple a saute montre ni prêt, oui, ni prêt pour un changement, oui. Peuple a saute montre le prêt, oui, pour pays a changé. Et peuple a prêt pour le marché, oui. C'est leader qui pas gagné, oui. Quel des militaires, ou bien que la police, ou bien que un citoyen. N'importe moun de kab, et s'il gagne, et s'il de kab prend confiance, peuple là. Pour le dire en avant. Mais tout le monde peut. Tout le monde peut perdre divisa. Tout le monde peut blanc. Tout le monde peut. Donc c'est là la police. Nous allons mettre tout le monde sous la police. Jeune garçon, jeune femme qui dans la police, ils ont entré dans une institution qui depuis 1995, ils ont fait pour des gens liés. Blanc prend contrôle total. Donc, si nous battons 4 là, il faut 4 là, ils battent. Excusez-moi, si nous voulons jouer, jouer de la bien, il faut 4 la rébattre parce que 4 la marée. 4 la marée et c'est blanc qui marée 4 la. Et c'est même blanc encore qui a venu là avec une bonne solution. Qui solution? Police nationale là, c'est blanc qui contrôle. Ou pas comme commissaire et DCPJ, ou pas comme directeur police nationale, pour ambassade américaine, c'est pas lui qui dit, c'est ça, c'est m'exalé. Or, gouvernement, c'est exactement ça, ambassade, c'est ça l'a fait. C'était toujours projet. Ariel Henry, c'est un rare monde qui vient dans ce pays qui respecte tout engagement avec le monde qui bat le pouvoir. Effectivement. C'était exactement le sénateur Guy Philippe. Le pays a un problème monde. La population après, mais le problème leader. Pas un leadership vraiment. Et effectivement, ça que le dit, population prouve que yo pare. Mais ça fait que, m'a dit nous, barbecue kon dimension que le pas gagné. Et en plus, parlant de dimension, et barbecue trouve la situation côté que li pas dans même position que Guy Philippe Théan. Parce que barbecue, yon mettons un vidéo de barbecue, yon mettons étiquette gang soudol, n'importe quoi ton policier ou elle, yon capable fisiel. Ça veut dire quelque part, barbecue obligé, rete dans bastion li. Gen de mouvement, li pa ka le faire. Si ou barbecue ta fon bagay, c'est mission pour le tailler. C'est mission pour le tabay, yon groupe neg à l'exécuter. Mais li même li pa ka déplacer. Pour le fond mouvement, même Jean-Guy Philippe tap marche mobilise tout pays, hein. Passer fermer commissariat qui gagne les policiers qui fait mouvement gang qui a servi criminel barbecue pas ka fèl parce que barbecue nèg ki nan do barbecue yo son équipe gang ki oyé parce que gang pile volo derrière do barbecue mais comme si barbecue obligé pour l'entourer par un groupe nèg armé pour le protéger ville parce que groupe nèg qui mettait la situation là un groupe nèg qui extrêmement puissant qui nan pouvoir qui nan droits humains qui nan secteur privé des affaires. Barbecue obligé à entourer. Pas toute mauvaise anguille. Parce que les gens qui sont mauvais anguille, ils ont un costume. Mais le fait, ils font choix. Un choix, c'est ce choix. Et choix, ça qui cause la journée aujourd'hui. Mais aujourd'hui, monsieur a battu dans la limite. Monsieur Kimbe, c'est 50 li. Il n'a pas quitté le monde traversé. Effectivement, il a bloqué le dossier gaz. Il parle de révolution. Révolution en cap fait. Et il a un niveau qu'il n'a pas atteindre parce que le discours barbecue n'a pas arrivé dans le niveau pour qu'il arrive. Parce que automatiquement, ou lancez mouvement et mobilisation, ou du moins révolution, lors d'Elma 2, d'Elma 4, ou pas qu'à sortir, ou t'as supposé que ou d'Elma qui répond, ou moun Natek Petionville qui répond, ou moun tout côté Kwadabou qui répond, ou moun Jérémy, Sud-Est, Nord répond. Et puis, yon font seul, et puis yon frappé. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que, barbecue gon, niveau barbecue baka bataille. Et Jean, sénateur Guy Philippe dit là, effectivement, peuple en population a un gros problème leadership. Il y a un monde qui peut prendre devant, qui peut dire peuple en avant, en avancer. Et quand on ne parle pas, n'importe quel monde qui a une crédibilité, qui peut dire population ça, on nous met pieds dans la terre, on nous marche pour un criminel, deux cas en caille.
m'pa ba nou menti. Si t'ap rel kay ma korel. Si t'ap maman petite m'ap mari vente. Parce que population c'est t'ap un plaisir pour li. Pour la fête dans manchette li. Goûter 99 plus 1 à criminel assassin qui prend contrôle pays ça depuis en 1986. Population en vie fait. Sauf que le besoin groupe moun qui gen kason nan taille comme leader. Un groupe moun qui gen stand de responsabilité qui pour avancer. On nous continue tendez effectivement déclaration Rosemont Jean et puis pour nous traverser avec deuxième chapitre là. On avance. Gen de nèg exam. Gen de nèg exam. Y après les nous y après les aujourd'hui a c'est vrai gagner un sac pas qui gagne tout type de nom mais c'est son agenda c'est blanc te préparé pour ça aujourd'hui a faut nous faire appel à toute femme et garçon très bien pour nous regarder bataille là pour nous connaître qui type d'orientation à qui dimension n'a boumé d'ailleurs n'ego gagne mettre moun à faire des émissions à travers des médias pour gagner moun qui après les pour compte. C'est l'opinion qui a préparé. Pourquoi j'aime une émission qui fait sur la remobilisation des forces armées d'Haïti? Parce que les médias veulent parler de l'armée d'Haïti. Alors que si vous avez aidé nous, même si vous avez fait en Irak, ça vous fait. Vous gardez faiblesse l'armée irakienne, vous renforcez, vous avez le matériel. Je dis à vous pas qu'à en Ukraine, mais qui ça vous fait? Yo gardé faiblesse ukrainien yo et puis y a fourni au moyen pour goumer avec la Russie. C'est parce que yo go intérêt kembe la kembe ukrainien vivant. Nous même go combat y a mené contre nous son combat raciste. Yo pas vle nous. Yo pas vle nous, yo pas vle nous, yo pas vle nous, pas jam vle nous. Et si nous même nous pas organiser tête nous pour nous finir avec chirépite qui nan mitan nous, y a disparaître nous. Pas oublier tête ça c'est indien que t'es là. Pourquoi qu'on même tout pas qu'à disparaître? Blanc, les États-Unis, la France, le Canada, bon projet pour Haïti. Effectivement, blanc, bon projet pour Haïti. Et ces projets, ça, effectivement, vous mettez Nex Ayol Araba à gérer pour yo. Et ces projets, ça, qu'a exécuté sous donation, sous nos pays. Et m'a pas menti, bataille pas nous, c'est bataille pour nous délivrer pays. Bataille pas nous, c'est bataille fait tout ça que nous connaît pour nous battre Haïti, yon l'autre orientation. Papa haïtien, Jovenel Moïse, président de la République, 58e président d'Haïti. Jovenel Moïse te kon parle en pile. Mais te genye Liliane Pierre-Paul, Marvel Dandé, Radio Télé Zénith, Ronnie Collin, toute radio traditionnelle en pays d'Haïti, a fait la population comprendre que Jovenel Moïse pas gagné que l'abdi. Qui n'a pas avec vérité. Et c'est parole président Jovenel Moïse, avec action qu'elle t'a posée, contre groupe moun qui prend pays en otage, qui fort, rete dans souffrance, dans douleur, dans calamité, comme peuple. Et mais effectivement, c'est ça qui touye président Jovenel Moïse. Moi, prends, si vous mission ça, avant que je mal fasse autant de PM Claude Joseph qui font intervention. Pour me faire autant de déclarations, président Jovenel Moïse te fait. Avec Haïtiens qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Président te parlé. Et déclaration ça. T'es grand pile journaliste qui t'a fait pile analyse pour te critiquer. Déclaration président t'a fait. Mais je dis, même moun qui pas conscient de ça, qui vivent aux États-Unis, je dis à venir comprendre. En nous tendant ça, pendant 2 à 3 minutes, et puis après, évidemment, qui côté président Jovenel Moïse, qui a commencé à attaquer intérêt personnel d'un petit groupe criminel, qui a sous ses sangs au peuple, pour être capable. Permettre que majorité a jeune yon ti la manjaï, président Jovenel Moïse. Moi, j'ai eu de gros contrats. Je vois nous clair, peuple la, kap gade m'la dans la caméra. Dans le monde entier, n'a gade m'en, faut nous comprendre que y a un gros problème dans le pays. Je dis, comment un pays pour gen un groupe moun qui décide de dire que l'État tout coproduit presque
là 50% dans comme ça pour me dire plus que 50% c'est pour moi lié. Ça veut dire qu'il y a des contrats passés, il y a des monde là qui ont des garanties. Donc ça veut dire, pas m'expliquer non bien pour nous comprendre. Ça veut dire vous font contrat et puis au bon lettre de crédit pour 15 ans. Ça veut dire on lettre de crédit irrévocable. 15 ans, ça veut dire que 15 ans chaque mois depuis le gouvernement dit, depuis un mois, on va payer. Depuis un mois, l'État va payer, sortant de la Banque centrale, paye. Bon groupe, on a payé en Haïti, c'est comme ça, vivre. Et nous, qui monte comme ça, environ 10 millions de dollars chaque mois. Jodi, il faut nous parler pour nous commencer à comprendre qui est-ce qui est diminué. Si moi-même, quand je me suis dit, moi, je dis à Calais. Sogenère. Quand je fais tout effort, ça, et puis je dis à moi, je dis à c'est parce que je viens mettre bagage, ça, en question, je dis. Non, mettez non, remettez en question. Paye à Kaboulé sous moi. Parce que je ne vais pas oublier, l'on est bien. Nous comprenons ça, oui, nous comprenons 10 millions. Nos petits pays de quoi Haïti, chaque mois, avait dit, on n'a pas même besoin de millions pour le pour gaz et pays. Et puis il y a 10 millions chaque mois. Avait dit, ouais, ça n'a pas qu'à passer. C'est pour me dire que je dis, pour nous comprendre bien, nous-mêmes qui vivons à l'étranger, dans qui vous bataille. Que pouvoir nous sortir de moi, on a plein de nous qui étaient les familles, nos amis, nous pour te voter pour moi. En Haïti, il y a nous qui étaient nous pour faire campagne. Moi. Et c'est ça que fait aujourd'hui. Moi, je prends une décision, je dis nous ça. Pouvoir ça que nous avons, je ne peux pas gagner. Il y a nous qui m'a fait honte pour lui, m'a fait travail que nous te voyons faire. Mais si je veux un accompagnement, nous n'avons pas la famille, nous n'avons pas la famille, nous. Pour nous dire aujourd'hui, par exemple, nouveau premier ministre, en fait, nommé là, que me dit que mes routes là, il décide pour faire route là ensemble avec moi. Je me dis le premier problème, ou bien, soit si c'est l'imien et tout, je ne pas dire libre à rien, non, ça fait un mien. Parce que je me dis, dans tout discours, un président qui se respecte ne doit pas avoir d'amis. Un président qui se respecte ne peut pas avoir d'amis. Ça, c'était le discours. Président Jovenel Moïse, avec la communauté haïtienne qui vive, et exactement dans la diaspora, États-Unis d'Amérique, bon, tu bouge parler, il t'a fait avec haïtiens qui vivent l'autre bord. Effectivement, le ça, président Jovenel Moïse, t'es attaqué, gros contrat, gros palto, sous-génère. Est-ce que vous comprenez? Contre groupe Alto Sogenère que le président Jovenel Moïse t'est attaqué dans la période ça. Et le Saham, Baba Nomanti, pays en tête en bas, pays en tape boulé, pays en tape crasé. Et effectivement, Dimitri va mettre gros comme l'idée pour le tourier président. Est-ce que nous là? Eh bien, Baba Nomanti, bataille ça. Li papiti. Bataille la gouneg. Mais pays, nation. Rendre compte et au prend yo prend comme te cap dit ça dimension bataille yo comprendre dimension bataille là et yo assumer responsabilité yo pour que yo goumen nan niveau ça avec monsieur yo si peuple a pas assumer responsabilité si pas comprendre que gon groupe moun c'est des criminels notoire que yo et ben me garantis nous jeune jodi an nous pas d'appel là. Nous ne pouvons pas parler de Jovenel Moïse. Nous ne pouvons pas citer non Jovenel Moïse. Et nous avons une responsabilité. Parce que un président qui attaque qualité intérêt ça, n'a qu'à faire 12 millions, 10 millions. N'a pas besoin de 3-4 millions de dollars américains pour le finir avec le pays. Le président fait ça. C'est pour nous-mêmes, population. Hein? Li chercher. Et c'est l'intérêt, nous le défendre. Nous défendons l'intérêt, nous. Li quitter pour lui. Là où un groupe nèg, pas de pièce inquiétude pour yon rentrer
en de cas yon président de la République, en de chambre président, nous yon assassiné président. Ça veut dire que, monsieur yo, pas gen état d'âme. Ça veut dire que, monsieur yo, gen konsan an taille yo. Et c'est nous même comme haïtiens conséquents, qui pour attaquer criminel yo, dans dimension yo. Parce que yo pas respecter la vie nous comme peuple. Il n'y a pas pris nous pour être humain. Il prend nous comme des choses. Il prend nous comme objet. Nous pas important pour vous. Notre seul rapport ensemble avec vous, c'est juste travail, contribuer, payer taxes. On a diaspora, travail, de 20 dollars, 50 dollars dans le pays d'Haïti. Vous même après ramasser l'argent. Le jour où vous campez, pour questionner côté de 2 à 50 ans en fait, yo tout yon fan moun dans le pays d'Haïti. Ou bien yo ve yo kontre dans le pays d'Haïti, yo fout kidnap ou, yo fe iso tout yo, fe la mensonge tout yo. On paye comme ça, nous ka vivre la donne. Nous ka accepter pour nous vivre une situation comme ça. Par un pep sous la terre qui est capable à vivre dans une situation comme ça. Je dis, nous devons bataille avec monsieur yo. Parce que Jovenel Moïse, il te fait un choix. Un choix pour qu'il te goumen avec des oligarques corrompus. Un choix pour qu'il te bataille en face yo. Mais comme nous, il y a des gens qui t'ont collaboré avec le président, qui choisit pour une responsabilité yo. Pour bataille, pour continuer à mener le combat que le président Jovenel Moïse a mené. Après le temps de PM Claude Joseph, qui a fait une intervention sous document ça, que le gouvernement criminel a signé pour demander une aide militaire pour venir protéger dans la Coupe d'Haïti. PM Claude Joseph souhaite faire une intervention. N'a prêté moi attention non pour que nous tendez ensemble avec ça que PM Claude Joseph t'a dit. N'a tendez pendant quelques minutes ensemble avec. En avance, PM Claude Joseph. Bon réalité là, où li let premier ministre l'envoyé by Nations Unies? Hein? Oui, bien sûr, moi, Lilette là, mais ça qui n'est pas vraiment étonné de action ou bien comportement et Premier ministre Ariel Henry. Mais pour des simples observateurs qui tapent suivre les réalités politiques là, il y a pas que pendant un an, le gouvernement ça a gagné une position qui était constante. À savoir que n'y a pas besoin d'intervention militaire dans le pays. Au point que même demande m'a été faite devant l'ONU pour gagner une commission spéciale pour venir aider dans l'enquête là, un tribunal spécial, une commission spéciale pour venir aider dans l'enquête là. Premier ministre Ariel Henry t'est campé face à lui. C'est-à-dire que Ariel s'est projeté comme un monde qui anti-intervention militaire. C'est premier bagaille. Maintenant qu'on y a, faut que tout le monde pose cette question pour que ça, d'un coup, gouvernement prend une résolution, mandate Ariel pour faire une demande d'intervention militaire. Un jour après, Ariel fait une intervention militaire auprès des autorités ou bien des instances, on est capable de dire compétentes pour ça au niveau international. Pour qui ça? Parce que si mon absurde bien, c'est pas Ariel Henry lui-même qui initie démarche ça pour demander intervention militaire là. C'est le président Luis Abinader de la République dominicaine qui en met reprise devant les instances internationales, mandé une intervention militaire en Haïti. Plusieurs fois. C'est pas déjà Ariel Henry. Ariel Henry seulement soumet lui
au dictat, n'est-ce pas, du président dominicain pour demander une intervention militaire. Maintenant, Kounia, tout qui ça que Luis Abinader demandait une intervention militaire en Haïti. Le dernier événement qui passe dans Côte d'Ivoire montre que il y a une volonté manifeste pour protéger les intérêts dominicains et les intérêts commerciaux des Dominicains et en Haïti. C'est-à-dire que on connaît dans commerce Haïti République dominicaine, et mais c'est en faveur d'un avantage République dominicaine. Donc c'est-à-dire que je dis à demande d'intervention, hein, li pas faite pour le citoyen moyen, le citoyen lambda, c'est une demande qui, je nous dis à qui était initié par le président Luis Abinader à plusieurs reprises devant la communauté internationale là, mais comme dernier événement ça y est là, montrer que Ariel y décrit les prêts pour perdre du pouvoir, lui entraîne une démarche qui à la fois individuelle, une démarche qui opportuniste et une démarche qui égoïste. Donc c'est ça demande là. En d'autres termes, demande ça n'est pas inscrit dans logique humaniste et humanitaire qui visait pour protéger citoyen lambda ou bien citoyen moyen contre gang ou bien contre propagation choléra en Haïti. C'est une demande qui est égoïste, qui est individuelle et opportuniste, qui visait à renforcer et consolider le pouvoir Ariel Henry qui décriait, qui est incompétent dans la gestion de la chose public. Donc nous-mêmes, nous comptons toute intervention qui visait à consolider le pouvoir de Youmoun, Ariel Henry, qui est rejeté par la population haïtienne. Nous comptons toute intervention qui visait à renforcer un système socio-économique injuste et injustifiable, générateur d'inégalités et d'extrême pauvreté. Donc, Claude Joseph, jodi a la, pour bien comprendre jodi a, ou compte décision ça que Ariel Henry prend avec gouvernement pour que yo sollicite en aide étrangère. Moi compte décision ça pour plusieurs raisons j'ai nous dit là. Première raison c'est parce que c'est pas vraiment Ariel Henry qui sollicite intervention, hein. C'est sous dictat du président Luis Abinader. C'est Luis Abinader, tout le monde qui a suivi l'actualité et n'a pas une position mieux très cohérent dans le temps. C'est Luis Abinader qui fait être passé comme porte-parole Haïti sur la scène internationale et qui a demandé intervention militaire. Tout côté de le passé, devant l'OEA, devant l'ONU, dans le Congrès et dans la rencontre avec le vice-président et américain. Donc, à plusieurs reprises, Abinader a demandé une intervention militaire. En d'autres termes, il y a tout un lobby qui fait Washington que le président Luis Abinader, autorité dominicaine, nous fait, le groupe dominicain, tout un lobby qui fait Washington, tout un plaidoyer, en d'autres termes, qui fait Washington pour l'intervention militaire en Haïti. Alors, ce que le. Citoyen, nous t'as capable de suivre l'actualité à le citoyen moyen de questionner, c'est pour qui ça? Est-ce que c'est parce que, pour qui ça d'abord, que Luis Abinader a fait tout un plaidoyer pour une intervention militaire en Haïti? Est-ce que c'est parce que Luis Abinader lui-même est généreux? C'est au monde qui voulait que pays a sorti dans situation effectivement on se dit ça gain problème. Est-ce que c'est parce que le pays a sorti dans situation ça que li là ou bien est-ce que gain de l'autre bagaille qu'a réglé ou même sous doula là protection de investissement et commerce haïtien dominicain qui en défaveur d'Haïti dans Jean li pour aller jodi à là. Donc c'est mais ancien premier ministre Claude Joseph généreuse. Attends-moi. Il y a qui t'a capable de dire, encore une fois, Claude Joseph, il mettait
il mette réalité à, il passe réalité à côté, là il tombe sous Luis Abinader encore, ennemi juré li, et ça vient faire que comme si yo ka prend position là comme en position m'pap di yo pral tête de bluff non et pas samedi mais yo capable di. Mais pour qui ça, par exemple, il y a quelques jours, gagné OEA qui réunit, il y a plus passé 19 pays qui dit jodial nécessaire pour que gon intervention qui fait pour que yo aide Haïti. Il y a les États-Unis d'Amérique également, Amérique, y a parlé de bagay ça depuis quelque temps. Et jodial là, Claude Joseph, qui a réagi sous question, hein, au lieu de parler de Mounzao, là, elle tombe sous Luis Abinader. Il y a quelqu'un qui a dit, si c'est pour Luis Abinader, ben, décision ça pas d'abord, j'en prends. Qu'est-ce qu'ils ont répondu avec Mounzao? Non. C'est pour ceux qui ne comprennent pas les relations internationales, c'est-à-dire que la démarche est un peu simple. Mais ce n'est pas une démarche simple, c'est une lecture objective de une réalité géopolitique. C'est ça que moi, je suis là, parce que moi-même, je suis devant l'OEA, d'ailleurs, devant l'OEA, c'est pas que le gouvernement haïtien qui initie on demande comme ça d'abord. C'est le président Luis Abinader. Faut qu'on y songe. C'est le président Luis Abinader. Devant l'OEA, c'est pas le premier ministre. D'ailleurs, devant l'ONU, le ministre des Affaires étrangères dit qu'il refuse toute intervention militaire en Haïti. D'accord? Donc, c'est ça qu'on doit comprendre aujourd'hui. Il y a plusieurs fois devant l'ONU, le ministre des Affaires étrangères haïtien lit prononcer contre l'intervention militaire en Haïti. Pour qu'il s'ajoute à gagner un marché pressé. C'est-à-dire que des gens pensaient que c'est une intervention sollicitée, c'est-à-dire que c'est Haïti qui sollicite. Moi-même, je dis non, c'est faux. L'intervention, les résultats de ensemble de plaidoyer que, effectivement, Luis Abinader fait, pour nous arriver là, devant le Congrès, devant l'OEA, devant l'ONU, c'est ça que le président Luis Abinader fait plusieurs fois qui permettent que je dis. Et excusez-moi, pour me renforcer ça, Dr. Claude Joseph Abdia, ancien premier ministre, qui va profiter pour nous saluer, ça le dit tellement vrai, tellement comprendre ça le dit. Peuple haïtien, président dominicain qui c'est président Luis Abinader. Monsieur fait connait que en attendant que Nations Unies, l'ONU voyez yo troupes militaires dans pays d'Haïti pendant que yo poko fait là la ferme frontière avec pays d'Haïti toujours jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire que tout autant que troupes militaires poko rentrer dans pays d'Haïti la ferme frontière. Qui s'est passé? Sous façon pour montrer que troupes militaires là c'est le cap n'a avantage. Président voisin. Président voisin, qui s'est passé? Regina Boulos Dimitri Vob. Il y a de très très bons rapports avec président voisin. Regina Boulos baisse tout dans le pays d'Haïti. Et donc ça est extrêmement riche. Il y a de gros investissements là qu'un voisin. Boulos c'est Libanais syrien. Dimitri Vob c'est Libanais syrien. Président voisin. Allez chercher contre qui est lié. PM Claude Joseph. Gouvernement ça li seulement soumettre. D'ailleurs, Ariel Henry pas gagné par un interlocuteur valable devant l'international. Effectivement. Il pas considéré comme un rien. Donc, c'est-à-dire que il ne peut pas, et je parle de d'Ariel Henry, prendre sous responsabilité lui-même pour lui faire une demande d'intervention. C'est-à-dire qu'il n'est pas un interlocuteur valable. C'est-à-dire qu'il n'est pas un interlocuteur, il connaît ça. Donc, c'est mandé pour le faire ça, et que lui fait ça. Mais qui est-ce qui mandé pour le faire ça? Et je vous dis clairement, que et tout le monde capsule réalité à de façon pointue, réalité internationale là, et sous Haïti en particulier de façon pointue, et après que la demande n'émane
pas du gouvernement haïtien. Elle a été initiée par le président Luis Abinader devant les instances internationales. Et effectivement, les Dominicains, tout le monde qui, parce que moi-même j'étais ministre des Affaires étrangères, moi connais qu'ils ont dépensé en pile dans le lobby Washington. Donc, ils arrivent là. Maintenant, Kounia, moi, je dis que Jodia, avec Ariel Henry, d'autant que c'est quelqu'un qui est décrié illégitime et impopulaire, ou pas capable d'engager pays dans aucun projet qui est capable d'avoir des impacts à long, en fait, à court, moyen, long terme sur la vie des Haïtiens et des Haïtiennes avec Ariel Henry. Ou pas capable de faire ça. Donc, c'est parce que tout simplement, intervention militaire, qui c'est États-Unis qui a fait, qui c'est Canada qui a fait, si c'est bilatéral ou bien c'est une force multinationale et qui est sortie de l'ONU. Donc, c'est seulement une force Kavina pour renforcer le premier ministre Ariel Henry lui-même, mais pas le peuple haïtien, dans son combat contre les gangs, contre la sécurité, contre le choléra. Moi, je m'entendais en pile politicien dit parole ça. Et Ariel Henry voulait renforcer le pouvoir, il voulait rester sous pouvoir le plus longtemps possible. Mais bon, en réalité, à Théala, bon constat, c'est que le pays a bloqué, haïtien pas qu'à circuler, timoun pas qu'à l'école, jodi a là, l'hôpital a fermé, moun a mouri, femme enceinte a mouri parce que yo pas qu'à yon soin, parce que tout simplement, conseil de groupe terroriste qui prend on serait de zone en otage. Et ça, c'est pas un bagage qui vient exister uniquement sur Ariel Henry. C'est un bagage que le vin joigne ou tes premiers ministres, dans la période pour la bagage là, en tout cas, situation n'est pas presque différent. Donc, cette guerre politique là, mais qu'on réalité à terre là, qui ça ne fait avec réalité là? Si ou même ou tes premiers ministres, Claude Joseph, est-ce que ou peut-être pas arriver dans un moment pour te prendre, pour t'apprendre même décision, sachant que après la mort du président, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, ou même en tant que premier ministre, où tu prends une décision similaire. Non, alors on va m'expliquer. Alors d'abord, Wendy, moi ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de vous offrir une lecture objective et différente de tout ça et de politiciens à bail jeudi. Parce qu'ils n'ont pas le courage, effectivement, pour toucher pléa du doigt. Ils n'ont pas le pile politicien qui a dit aujourd'hui que demande d'intervention militaire en Haïti, c'est Luis Abinader qui initie. Moi-même, je reste cohérent dans ma position et d'homme d'État pour identifier le problème. C'est-à-dire que ce n'est pas en surface parce que m'a regardé en conseil des ministres, avec des ministres qui sont généralement des jobbers, il m'a permis de dire ça, et un premier ministre qui n'est pas un interlocuteur valable devant l'international. D'ailleurs, Michel Soukha, l'historien Michel Soukha a fait une description assez intéressante et plus ou moins objective de la posture, n'est-ce pas, du comportement, n'est-ce pas, du premier ministre. Donc, on n'a pas besoin d'aller sous ça parce que mon premier ministre, on n'a pas qu'à gagner un gars ça par rapport à notre premier ministre. Mais c'est vrai qu'il n'est pas un vrai interlocuteur. Donc, c'est-à-dire que c'est pas lui qui a initié la demande. Donc, il se soumet lui à demande que le président Luis Abinader fait. Et président Luis Abinader. Mais, premier ministre Claude Joseph, tout à l'heure, que Luis Abinader, c'est pas Kounia l'a fait lobby ça dans l'international là. Luis Abinader, il y a des années, l'a fait lobby. Non. Écoutez, quand moi j'étais ministre des Affaires étrangères, j'étais moi-même seulement porte-parole PIA sur la scène internationale. Je ne permettais pas à Luis Abinader ou à son ministre des Affaires étrangères de prendre la parole pour Haïti et au nom d'Haïti. Mais ça va t'empêcher que le TFL, de temps en temps. Et quand... Non. C'était jamais ainsi. Ce n'était pas ainsi, mais le TFL. Non. Moi, je dis que moi-même, pendant environ 2 ans que je me passais comme ministre des Affaires étrangères,
Haïti pas de l'autre porte-parole sur scène internationale. D'accord? Donc, effectivement, là où on commence à faire ça, moi, dénoncer yo, c'est là ça, moi, le pas, et ministre Affaires étrangères encore. Parce que moi-même, je ne permettais pas à Luis Abinader de se comporter en président, comme si, comme président Lilla. Je ne permettais pas à Roberto Alvarez de se comporter en porte-parole d'Haïti sur la scène internationale. Mm-hmm. Parce que moi-même, j'étais assez compétent pour prendre la parole au nom d'Haïti et pour Haïti. Donc, je ne permettais pas à personne d'autre de le faire. Donc, ça veut dire que ça, c'était la position d'un ministre qui était un interlocuteur valable, parce que Jovenel Moïse savait choisir ses ministres des Affaires étrangères. Donc, ça, c'est important pour moi, et mettez clarification ça. Effectivement, c'était PM Claude Joseph qui tapait intervenu sous et évidemment document ça que Ariel Henry t'a organisé pour que l'ité voyait bon côté Nations Unies pour que te sollicite yon aide militaire et pour débarquer dans le pays d'Haïti. Effectivement, moi-même, m'a dit nous honnêtement, PM Claude Joseph dit toute vérité, parce que démarche ça, nous t'ai dénoncé à plusieurs reprises, parce que président voisin, président qui nous gagne l'autre bon frontière, qui président l'autre bon frontière, effectivement, li t'es érigé tête li en véritable porte-parole pour pays d'Haïti, à se reprendre devant communauté internationale là, côté que c'est lui-même qui a fait toute démarche, parler toute parole, et contacter tout président du pays dans Caraïbes blanc pour regarder comment yo ta joine yon entente pour que yon aide militaire ta débarque yon groupe militaire ta débarque dans pays d'Haïti pour venir gérer de soi-disant dossier gang. Mais tout le monde connaît démarche ça, son démarche qui t'est intéressé, son démarche qui t'est motivé, son démarche qui t'est téléguidé, son démarche qui t'a préparé justement avec des oligarques corrompus, effectivement, qui se touillent le président PIA, qui se président Jovenel Moïse. Peuple haïtien, je dis en bataille là, li gon Jean Kelié. Effectivement, Jean Kelié a commencé à, m'a dit nous ça encore une fois, ou capable de gagner toute qualité problème avec Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Mais honnêtement, m'a dit nous ça, Barbecue prend responsabilité par là, comme haïtien, conséquent comme haïtien qui campait dans le pays d'Haïti. Ou capable de gagner toute qualité de problème ensemble avec elle. Mais effectivement, quand je ne parle pas là, Barbecue a la dimension qu'il atteint. Barbecue a la dimension qu'il prend dans ce qu'il trouve là comme situation. Et Barbecue campait, je dis là, dans le dossier gaz là, il dit 84 millions de dollars américains, ça n'a pas fait sur le peuple là. Li pa fait sous le pays ya. Elle bloque elle. Et tout moun ou elle campe bon côté. N'est-ce que tellement senti que intérêt à enjeu? N'est-ce que vous 10 millions de gouttes de barbecue juste pour faire un petit à parler? Li pot kon négociation en ça. Barbecue dit n'est-ce que comme la trop petit voyou comme toujours. Après ça, le tout journaliste traditionnel a parlé. Journaliste qui a Ariel Henry parle, paye yo. Barbecue campe avec population devant terminal Varouya. Li dit, li bloque gaz là, li bloque le net. Avec le deal bloqué gaz là, li bloqué le net. Et c'est là qui t'a parlé de toute qualité problème non. C'est là qui t'a parlé de toute qualité problème nous connaît qui existe yo. Ça veut dire que nous même comme haïtiens, on nous prend responsabilité non. On nous prend responsabilité non pour que nous menions combat ça, Jacques nous mener là. Nous c'est haïtiens, nous ka bataille. Nous sommes haïtiens, nous devons prendre responsabilité. Comme moi connais, dans le jour où je viens là, la situation n'est pas facile même pour Ariel Henry. Et même vous-même qui attendez, vous-même qui regardez, restez connecté avec la plateforme YouTube, InfoBeto. Parce que je garantis, avec la plateforme ça, vous êtes informé sur tout ce qui a passé en dedans pays. Vous connaît, évidemment, tout journaliste qui est position normale là, sur ce qui a dérangé le pays. Et c'est ça qui fait que, m'a dit, deux jeunes journalistes qui se font intervention, que diaspora haïtienne n'a pas de bravo pour eux, moi personnellement, je dis pas pour contre eux, ils m'ont continué dans le cadre de bataille, ça dénoncer criminel, dénoncer assassin.
Elle n'est pas facile pour que des jeunes qui sont dans les médias, pour que des journalistes qui sont dans les médias traditionnels, cap campé pour dire parole là, Jean que monsieur te dit, joue ça. Même vle monsieur continuer. Parce que je voulais nous tendre ça encore une fois pour me faire monsieur connaître que l'intervention était importante pour Jasper Aïssen. Elle était importante pour nous-mêmes qui avons mené la bataille qui a mené depuis plusieurs mois, plusieurs années dans les médias en ligne. Jean-Ismaël Valestin, Junior Jean-Baptiste, tendez ça. De ce pays. Tenez bien, papa haïtien. Junior Jean-Baptiste, Jean-Ismaël Valestin. Je dis à fort peuple haïtien reconnaître les vrais ennemis de ce pays. Ismaël, fort peuple la pays, à jeunesse, à diaspora, connaît les vrais ennemis de ce pays. Les vrais ennemis de ce pays, Ismaël, ce ne sont pas les politiciens, frère. Ce sont ces éléments du secteur privé rétrograde et corrompu. Les Jovenel de Anne. Qu'a fait ça? Les Jovenel de menacé. Font-ils ton chef là? Les Jovenel de menacé. C'est 65 gouttes de 200 dollars. Justement. 65 gouttes. Et on menace banque centrale de sanctionner des banques là dans le pays. Justement. Et je dis, n'est-ce qui fait Stanford dans le pays? N'est-ce qui fait Londres, Cambridge en Angleterre? N'est-ce qui fait Avadio? N'est-ce qui étudie Few en Florida? Mais qui fait toute grosse université dans le monde là, Haïti fait économistes, les économistes qui ne sont pas les économistes de service. Faut que tu dis pays à ça. Les vrais ennemis de la République, sous ces contrebandiers, des gens qui vont payer taxes, des gens qui vont vendre dollars, qui aiment le pays à vu jeunesse là en otage. Mais c'est l'émission Ismaël. Non, on va pas quitter Juno, et de là. Non, n'est-ce pas méchant, man? Si n'est-ce pas méchant, man? N'est-ce pas méchant, man? Faut que n'est-ce pas du pays à vérité, man? Faut que n'est-ce pas du pays à vérité, man? Gardez l'état juvénal, gardez l'état d'Elmataba, man? Vous êtes cassé en appuyé, man? Sous ce groupe lié qui va arriver pays, qui va payer taxes, qui n'a contrebande, qui a volé et qui a protégé le pays, man? Il va faire sens, man? Faut que dénoncer ça, man? Faut que dénoncer, il va faire sens, man? Mais garçon sou, pas créer dans vous quand la parole là. Mais garçon sou. Garçon, pas qu'on fait bas. Radio Omega. Garçon pas qu'on fait bas. Radio Omega. Et mettre garçon sous là. Chalmas. Qui s'est négocié à tout yon. Et là, nous allons commencer par des noms. Et je dis à si Ariel Henry quoi, c'est contrebandier la vraie. Si Ariel Henry quoi, c'est des petits groupes politiciens au pays. C'est contrebandier qui gagne la gang. Retirez tout contrat nèg privé au gagne dans là. Ou à tout soit fak payer Ariel Henry. Boukante la parole. Fou grand moun kanay ouye. Même pas l'on va parler bien. On paye à foutre souffrir sous dos. On paye à foutre souffrir sous dos, Ariel Henry. Retire tout contrat nèg ici dans l'État. Mais combien nèg ici qui fait caoutchouc? Mais combien nèg ici qui fait diri? Boukante la parole. Mais combien nèg ici qui fait banane? Achetez les manioui. On fout banane revendre, excusez-moi l'excessive. Xem Guerrier Henry. On fout bon revendé. Comme les gars ici qui produit du Latibonite. Et me dit nous ça. Le nom monde Latibonite a volé sac diri, il est grave en pile. Extrêmement grave. C'est pour ça que Jovenel Moïse mouri. Oui, faut que nous disions. Mais vint nous devant radio, nous fait tout et nous. Quand son entaille nous, monsieur. Mais nous avons défendu une bonne cause. Boukante la parole. Mais vous êtes tellement méchant, mais vous êtes éliminé qui sont bagailles qui les classes moyennes, man. Pourquoi est-ce que nous Si vous voulez faire bagaille pour Haïti, bon douli asoya. Retirez tout contrat net dans mon secteur privé. Nous ne pouvons pas vivre nos pays aujourd'hui. Nous tous ces haïtiens. Et nous plus plus passer tout nek gen bizan dans le pays. Effectivement. C'est eux que je ne prends dans l'État. Et c'est eux que je ne crédit dans l'État encore. Yo mouté business, yo, c'est sous dans l'État acheté. Et dans l'État pour y acheter. Son bav l'attaque ken biz, mais l'école pour l'ouvrir, qui institution qui a fait spot? Fred British qui go naïve, nous j'aime la fait spot à bouler dans la radio. Et dit, si arrête, j'aime la fait spot à bouler dans la radio. Qui contrat le joine? Qui contrat
jeune mi bail vendre dans Ismaël men. Faut que nous commencer bail nous dans pays amen. Li pas quand tout ces politiciens pourtant c'est pas vrai men. C'est nous qui contrôle pays à qui accroché à richesse yo men. Faut chercher ta jodi pour voir demi yo. C'est les chogon mais on t'emirai yo. Mais on t'emirai yo. Ou pas camarade yo là il faut côté. Quand pile là on s'est mettre blanc dormi. Les Ariel dit faut forcer étrangers en train de payer. Quand pile là content parce que hôtel yo prend le foule. Il a continué faire comme sous nous. Réveillez-nous la société. Assumez responsabilité nous. Protestez-nous. Prends destin nous. Nous disons nos vérités à soi. Peu haïtien, destin nous amène nous. Destin nous amène nous. Politiciens, en pile là, yo pas ramasser caractère, yo. M'a dit nous li. En pile là, yo compte sous sénateur, sous député là. Yo pas à manger. Yo contenté, yo. Yo a prendre des grands nègres services. Vicieux. Mais tout le monde, toute femme. Acte qui a besoin de payer sous l'État. Je connais que je mourir pour des siècles courants. Et je mourir pour une bonne cause. Allez. L'État prévale côté lié à. Il en vérité, moi je n'ai menti. Prévale dans un groupe monde pour vendre, pour produire courant dans le pays. Il prend l'argent, il prend l'argent dans le BNC. Terre pour l'État. Qui est-ce qui va faire un courant encore? L'État haïtien. Usine pour l'État. Ça fait petit Pierre, petit Jacques, pas qu'à faire un courant tout. Bagay grave, oui, man. Avec petit Pierre, petit Jacques, pas qu'à faire un courant. Ismaël, faut qu'on se donne qu'à l'école dans le pays qui dit qu'on lit. Faut qu'on dit peuple la vérité sans eux, oui, man. Non, yo confond. Faut qu'on éclairer peuple, Ismaël. Parce que son gêne n'est pas le travail. Faut qu'on lui soit éclairer peuple, oui, man. Yo croyez à l'aise. Mais je dis à nous tous à quitter le pays. Boucantez la parole. Je dis à nous tous à sauver quitter le pays. Parce que les gens ont besoin de pays pour espace pour vivre, ils ont besoin d'espace pour à l'aise. Je dis à tout le monde qui a quitté le pays. Nous tous avons quitté. Parce que nous sommes à l'aise, oui. Parce que nous avons un petit RAF 4, nous ne prenons pas camarades si l'accident du soleil là. Nous ne prenons pas camarades si la saline là. Nous ne prenons pas camarades si la bâtissant. Nous ne prenons pas camarades si la solino. Faut que la société réveille. Effectivement. Diaspora! Donc société arrive. Nous connaissons qui pourra nous dans l'économie. Réveillez-nous. Chili, Brésil. Il y a des économistes qui ont fait un système qui a dit qu'il y a plusieurs milliards de dollars qui ont sorti dans la diaspora. Réveillez-nous. Qui est qui consomme elle? Réveillez-nous. Parce que diaspora, Ismaël, faut diaspora comme ça. Lorsque Hitler a décidé la politique d'extermination des juifs en Europe, Ismaël, quand il va tuer 3 millions de juifs en Europe. OK, bah comme bah quoi que monde là qui arrivé là encore dans niveau qui était arrivé à monde là. Ça que monde comprendre ça que tout ces juifs qui étaient en Europe à l'époque après la Seconde Guerre mondiale Israël tout allait dans pays yo. Kotoye Miami, États-Unis, kotoye Canada, kotoye en France là, kotoye Brésil, Chili, il pas pays pas où. Quand il y a un événement X qui passe demain parce que le monde n'est pas stable et le monde ne sera jamais stable. Depuis le monde de la fête, c'est conquête, c'est guerre, c'est bataille pour territoire, bataille pour l'argent. Nous, ça va passer là avec la Russie et l'Ukraine. Donc, Haïti qui dehors, il y a intérêt pour impliquer pour Haïti changer. Parce que à tout moment, quand tu es là, il y a un comité dehors. Quand tu es là, il n'y a pas où. Donc, vous avez intérêt pendant la diaspora là, vous voulez comme en Haïti, en plus l'argent dans le pays d'Haïti, pour bataille, vous voulez changer. Parce que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque Hitler va tuer 3 millions de juifs, OK, tout le reste qui t'est sauvé yo, yo tout la caillou. C'est pour dire que nous même vous dire diaspora, réveillez-nous. M'a dit on va réassurer son gouvernement assassin qui là. Son gouvernement buvait de sang là. Go parole. Si un président en fonction ka mouri Jean mouri avec un monde qui demande justice pour lui la moun sa yo. Yo ka touye n'importe dans nous là. Effectivement. Yo ka touye n'importe dans nous là. Mais société a on ka mouri. Ouais, comment me faire décantation moi-même, moi qui a mouru. Mais m'a mouru pour petite moi. Hein. M'a mouru pour entourage moi. Et au pas mouru. M'a mouru pour pays. Hein. Au pas mouru. Et désormais, depuis une chance pour nous là, n'a venir dire société à vérité à grand lié. Hein. Et n'a sans pitié. N'a sans pitié. Oui, nous devons sans pitié.
Parce que moment arrivé pour que nous disions bagala exactement Jean Kelia. Nous pas qu'un groupe moun kap touye moun pour l'argent. Kap touye moun, kap volo, kap kidnappe pour pays, kap crase son pays, fin avec son pays. Pour aller acheter gros men chen yo, acheter pile bot yo. Pour plaisir dans l'autre pays et puis fin avec pays hein. Haïti a un seul rapport à ça ensemble avec fait l'argent seulement al pour plaisir dans l'autre pays. On ti volon, on ti sangouin, on ti sans sale dans Dimitri Vob. Fin avec un pays, qu'on a prend plaisir Las Vegas. Et puis il y a des juges corrompus, criminels, reste avec. Cap goumé, cap signé des vieux documents pour lui, pour l'État, bal 54 millions de dollars américains. Pendant ce temps, nous avons besoin d'aide internationale, mais États-Unis d'Amérique se fait nos cadeaux, 3 millions de dollars américains, plus 2 bis jaunes. Ils mettent nous sourire, nous battent bravo, parce que États-Unis d'Amérique fait nos cadeaux. 3 millions de dollars américains. Et puis, nous-mêmes, nous sommes des Haïtiens, qui avons signé un document pour faire Dimitri Vob cadeau, 54 millions de dollars américains. Est-ce que nous passons sans honte, nous passons sans goin? Peuple haïtien, nous avons rendez-vous après-midi à la même, à 6 h.p.m. dans le pays d'Haïti, sur la plateforme Panouan, qui est la plateforme YouTube, InfoBetoa. Nous sommes des grands déos, nous avons défendu les paysans. Nous sommes nous pas bas aux vagues. Et nous prêts pour nous mourir pour ça finir dans le pays. Qu'est-ce que là? Moi, je vais nous rappeler InfoBetoa.